Bonjour à tous, bonjour pour cette conférence donc sur la thématique Quel avenir pour la péninsule coréenne? Alors, c'est une conférence où nos intervenants coréens interviendront en anglais. Il y a une traduction qui est prévue, donc si vous regardez votre tableau de bord Zoom, vous verrez en bas à droite l'icône pour la traduction. À ce moment-là, vous choisissez votre canal. Soit le canal français, soit le canal anglais, et vous pouvez également désactiver la traduction, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous entendrez les intervenants coréens en anglais. Cette précision étant dite, donc c'est une conférence que nous réalisons en partenariat avec l'ambassade de la République de Corée. Je voudrais d'ailleurs saluer dès maintenant, l'ambassadeur Yoo Dae-jang qui prononcera quelques mots à l'issue de cette conférence. La question de la situation stratégique dans la péninsule coréenne et plus largement en Asie de l'Est constitue depuis la guerre de Corée un point névralgique des relations internationales, une zone de crise potentielle. La Corée, cela paraît loin de la France, mais il faut noter que notre pays s'est doté depuis désormais quelques années d'une stratégie indo-pacifique. L'Union européenne elle-même en a fait de même cette année et l'Union européenne est engagée dans un processus d'élaboration d'un nouveau document stratégique, le Strategic Compass, dont un des chapitres de ce document est consacré au partenariat. Et là aussi, la question des partenariats dans le Strategic Compass, ce sera certainement pas limité au voisinage de l'Union européenne. Et je pense que ça s'étendra certainement à l'Asie. Une des préoccupations principales de la République de Corée est la question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, bien entendu, et plus largement d'une gestion la plus apaisée possible des relations avec la Corée du Nord. Le champ des acteurs concernés par la situation stratégique dans cette péninsule ne se limite pas aux deux Corées. Les États-Unis, notamment, y jouent un grand rôle et l'élection de Joe Biden a sans doute ouvert une nouvelle ère dans les négociations. Et le président coréen Moon Jae-in a d'ailleurs rencontré Joe Biden à Washington en mai dernier. Pour parler de ce sujet, nous avons donc plusieurs intervenants, à commencer tout d'abord par Monsieur No Kyu-duk, qui a été nommé en décembre l'année dernière représentant spécial pour la péninsule coréenne pour les questions de paix et de sécurité, c'est-à-dire d'ailleurs au moment même où l'administration Biden s'est mise en place à la Maison-Blanche. Donc, il joue naturellement un rôle très important dans ces discussions et dans ces négociations sur la péninsule coréenne. Donc, je vais tout de suite lui donner la parole, bah, déjà peut-être pour faire un bilan de ces 6 premiers mois depuis le début de l'année. Donc, Mr. Do Kyu-duk, the floor is yours. Thank you. Director Pascal Boniface, my colleague Ambassador Tae-jung Yoo, members of IRIS and IRIS sub, and distinguished guests and students. Thank you for inviting me to this conference today. Let me offer my warmest congratulations to Director Boniface and Ambassador Yoo on successfully hosting today's video conference. This year marks the 135th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Republic of Korea and the French Republic. Together, Korea and France have enjoyed more than a century of cooperation based on common values such as freedom and democracy. This cooperation has recently expanded to cover other issues such as climate change, energy and healthcare. President Macron's virtual participation in the P4G Seoul Summit last May underscores the importance of our bilateral relations. Last January, I participated in the 1.5-track strategic dialogue between Korea and France. I witnessed the strong commitment of our two countries to work closely on the Korean Peninsula issue.
This is very issue that my government has worked to build consensus and seek solutions with our allies and partners at every opportunity. This includes the recent US-ROC summit as well as the G7 summit. The North Korean nuclear issue has been a problem for such a long time that some frustrated stakeholders ask themselves whether it could be resolved. But for the past few years, the issue has come to seriously challenge not just the Korean Peninsula, but also the region and beyond. This means it is all the more important to resolve the issue. For the sake of regional stability and international security, we must achieve our shared goal of denuclearization through consistent and coordinated efforts. In the 2021 G7 leaders communique, the international community called for a complete denuclearization of the Korean Peninsula. It urged the DPRK to engage with the world and also reaffirmed the importance of fully implementing the UN Security Council resolutions. As you all know, the Republic of Korea and the United States have maintained close communication and coordination on this issue since President Biden took office early this year. At the May ROC-US summit, the two presidents reaffirmed their commitment to take a flexible and practical approach to the North Korean nuclear issue. They agreed to do this through diplomacy and dialogue based on previous agreements such as 2018 Panmunjom Declaration and Singapore Agreement. President Biden also expressed his support for inter-Korean dialogue, engagement, and cooperation. We believe this can lead to a virtuous cycle of inter-Korean relations and DPRK-US relations. The ROK government is willing to help facilitate US-DPRK cooperation dialogue by promoting inter-Korean cooperation in humanitarian aid, public health, and climate change. Kim Jong-un recently said they must prepare for both dialogue and confrontation in his recent speech to the Workers' Party. However, the DPRK still has not responded meaningfully to the suggestion made by the US and the ROK for dialogue. It is still unclear what this silence means, although there is much speculation. Some analysts say the DPRK is focusing on internal issues such as the economic crisis, or it needs more time to review its US policy and other options. Others say that the DPRK is waiting for concessions from the US while leaving room for talks. What matters is that the international community, including Korea and France, work closely together to bring North Korea to the negotiating table. To this end, we need to send a coherent message to the DPRK that we are open to talks and diplomacy while maintaining readiness in responding to security threat. It is also crucial to get China and Russia on board as they have close political and economic ties with Pyongyang. We need to continue encouraging them to take constructive roles in the denuclearization process as responsible member of the international community. Complete denuclearization and permanent peace on the peninsula cannot be achieved overnight. It requires multi-faced effort, including dialogue and cooperation between stakeholders and support from the international community. To this end, the ROK government will focus on diplomatic effort to make substantial progress on denuclearization. It will be based on fully coordinated strategy
between the ROK and US and close cooperation with the international community that has consistently supported the Korean Peninsula peace process. We hope France, as both a permanent member of the UN Security Council and an old friend of the Republic of Korea, will continue to stand with us. I believe today's discussion will be invaluable in defining future foreign policy. Taking this opportunity, I'd like to express my appreciation to ILIS for taking a keen interest in the Korean Peninsula issue as a prominent institution for Asian studies. I would also like to recommend all the future global leaders here today to keep a close eye on this issue as well. Although we could only meet on Zoom today, I look forward to meeting you in person soon to discuss the challenges facing the Korean Peninsula and the world. Thank you very much. Merci pour cette intervention liminaire et ces quelques mots, Monsieur No. Donc, je pense que vous avez donc une journée assez chargée, donc vous pouvez nous quitter quand vous le souhaitez. Je pense que vous avez des responsabilités qui sont quand même assez grandes aujourd'hui dans ces négociations. Et donc, encore une fois, merci de votre présence et d'avoir pu intervenir dans cette conférence. Je vais passer maintenant tout de suite la parole à Madame Perron, à Marianne Perron-Doise, donc qui est chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, c'est-à-dire de l'IRSEM. Marianne, c'est à toi. Merci, merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Juste une confirmation de ce que tout le monde m'entend bien. Parfait. Eh bien, je voudrais évidemment remercier l'IRIS et l'ambassade de Corée du Sud d'avoir pris l'initiative d'organiser cette conférence à un moment extrêmement intéressant où l'on semble voir les choses bouger autour de la Corée du Nord, autour d'une perspective de reprise de dialogue, et je suis particulièrement honorée de la présence du représentant spécial pour la Corée du Nord, Monsieur No. J'aimerais en quelques mots dresser un tableau à l'instant T de la situation telle que on peut la voir tant de la part de la Corée du Nord et peut-être des questions que peut se poser le leadership nord-coréen, mais aussi faire un point sur, en fin de compte, ces derniers mois qui ont conduit l'administration américaine à réévaluer sa politique, sa posture vis-à-vis de la Corée du Nord, afin de voir d'où nous partons exactement, sur quelle base, et peut-être anticiper sur le contenu potentiel d'une reprise de dialogue, même si je m'empresse de souligner, et tout le monde le comprendra, cet exercice de prospection quand il s'agit de la Corée du Nord est toujours extrêmement périlleux. Alors, ce que je voudrais dire en introduction, c'est qu'il nous apparaît que la Corée du Nord est plus isolée que jamais depuis ces derniers mois, durant toute cette dernière année, puisqu'elle a mis en place une fermeture très stricte de ses frontières. Le moyen le plus évident et le plus sûr pour elle de se prémunir contre le danger d'une contagion du coronavirus, puisqu'on suppose qu'ayant une frontière commune avec la Chine, la Corée du Nord s'est sentie, dès le début de l'annonce de la contagion, extrêmement vulnérable, et qu'elle a pris cette décision absolument drastique de fermer ses frontières, même si
dans les premiers mois de 2020. Elle a accepté, demandé d'ailleurs une aide internationale qui lui a été prodiguée très vite via certaines ONG, dont la Croix-Rouge internationale, mais aussi la Chine et la Russie, sans oublier les propositions de la Corée du Sud. Alors, nous avons certains éléments assez concrets qui tiennent tout simplement aux déclarations qui ont été nombreuses, déclarations en provenance évidemment de Pyongyang, c'est-à-dire des prises de parole lors de comités du Parti central des travailleurs de Corée du Nord, toujours présidé par le leader Kim Jong-un. Et il est intéressant de voir cet effort, en fin de compte, de transparence, et en tout cas, cette remise au goût du jour du travail d'une institution, ce parti des travailleurs de Corée, avec la tenue de fréquents congrès qui permettent à la Corée du Nord de faire passer un ensemble de messages et à la communauté internationale d'avoir quelques éléments d'analyse, même si, comme d'habitude, ceci se résume à certaines supputations. Alors, de ces dernières importantes déclarations, que peut-on retenir ? Le 8e congrès donc, du Parti des travailleurs de Corée qui s'est tenu au début de l'année, et donc à l'occasion de la nouvelle année, il est assez traditionnel que le leader nord-coréen fasse un état des lieux de la situation à la fois interne et internationale, correspondait évidemment avec l'arrivée au pouvoir du président Biden et d'une nouvelle administration. Et il s'agissait évidemment pour la Corée du Nord de marquer le terrain préciser ou en tout cas donner quelques éléments sur sa perception de cette nouvelle administration. Et sans surprise, les États-Unis, lors de ce discours donc, de janvier, ont été qualifiés de plus grand ennemi de la République populaire de Corée, et Kim Jong-un n'a pas hésité à déclarer que, peu importait, je le cite, qui est au pouvoir, la véritable nature des États-Unis et leur politique vis-à-vis de la Corée du Nord ne change pas. Alors, ce premier message n'est pas inhabituel, était prévisible, mais marquait un peu la posture, en tout cas l'état d'esprit de la Corée du Nord après ces années Trump, où on avait vu finalement, et on en garde un souvenir très, très marqué, les deux dirigeants, donc le président Trump et le leader Kim Jong-un, se rencontrer, passer des menaces à des poignées de main assez amicales. Et on a tous en tête ces trois rencontres, dont la première, la rencontre de Singapour, la rencontre de Hanoï, et puis plus dernièrement, en septembre 2019, une rencontre assez étonnante à la frontière qui sépare les deux Corées, dans la zone démilitarisée, qui a permis à Donald Trump de mettre un pied, ne serait-ce que symbolique, en Corée du Nord. Alors, ce message implicite en direction de Joe Biden s'est accompagné de certaines déclarations dans un registre un peu plus martial, mais assez habituel, venant de la Corée du Nord, où Kim Jong-un annonçait la poursuite de recherches en vue de la construction d'un sous-marin nucléaire et bien sûr la poursuite du renforcement des capacités nucléaires et balistiques du pays, un moyen de rappeler pour Pyongyang qu'elle est une puissance, qu'elle dispose de capacités atomiques et balistiques, et que, évidemment, Washington doit avant tout en tenir compte. Alors, ce que l'on pouvait dire après cette première entrée en matière, c'est que on ne peut que supposer que, évidemment, Kim Jong-un aurait sans doute préféré la réaction de Donald Trump, puisque, bon gré mal gré, il entretenait quand même une relation personnelle avec ce dirigeant. Mais aussi, on avait quand même l'impression, vu de l'administration américaine, d'un gel, en tout cas d'un déclassement dans l'ordre des priorités stratégiques de la Corée du Nord. On se rappelle évidemment du contexte propre à la tenue des élections, des turbulences qui l'ont entouré, et puis surtout du chaos qui avait suivi l'élection du président Biden. Et c'est vrai que le régime nord-coréen
qui de son côté avait adopté un profil assez bas, eh bien, donnait l'impression que finalement, dans l'ensemble des dossiers à régler et l'ordre de priorité, la Corée du Nord avait perdu un peu de sa prééminence stratégique. Pourtant, on avait bien compris que Pyongyang, échaudé par l'échec du sommet de Hanoï, je vous rappelle, en février 2019, n'avait pas arrêté de travailler ou de renforcer son arsenal. Du moins, on pouvait le supposer, puisque je pense qu'on a en tête ce formidable défilé militaire donc, en octobre 2020, lors de l'anniversaire de la fondation du parti, avec la mise en avant de nouvelles technologies et notamment d'un gigantesque missile intercontinental dont les dimensions impressionnantes avaient fait susciter beaucoup de commentaires. Alors, bien sûr, dans ce discours de janvier, on a pu aussi noter que Kim Jong-un n'avait pas totalement fermé la porte à la diplomatie, tout en promettant de répondre à la bonne volonté par la bonne volonté, mais en rappelant la position de principe de son pays en matière de négociation, c'est-à-dire une approche basée sur le donnant-donnant, concession pour concession, et évidemment refus de l'exigence préalable de Washington d'une dénucléarisation avant d'envisager de passer aux négociations proprement dites. En mars de cette année, Kim Jong-un était quand même allé un petit peu plus loin pour se rappeler au bon souvenir du président Biden avec ce tir en deux étapes de missiles, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y avait eu le tir de deux missiles de croisière, dont je précise qu'a priori, ce type de missile ne rentrait pas dans le moratoire implicite, ne rentrait pas dans l'ensemble ou l'arsenal des sanctions qui s'appliquent à la Corée du Nord et qui touchent plutôt les missiles balistiques. Et c'est vrai que dans un premier temps, le président Biden n'avait pas souhaité commenter ce tir en refusant de parler de provocation. Et évidemment, c'était quand même une incitation pour Kim Jong-un à aller plus loin, ce qu'il n'a pas hésité à faire, vous vous souvenez, en lançant cette fois deux missiles balistiques pour effectivement rappeler en fait sa détermination à être là, rappeler ses capacités de nuisance et peut-être inciter l'administration Biden à être un petit peu plus explicite. Enfin, la dernière étape, nous l'avons tous en tête, elle est assez récente. C'est une dernière prise de parole donc, au début du mois de juin de cette année, donc à l'occasion d'une nouvelle réunion du Parti des travailleurs de Corée, où le dirigeant nord-coréen a parlé d'une perspective où son pays devait se préparer autant au dialogue qu'à la confrontation avec les États-Unis. Des paroles et un discours dont de larges extraits ont été repris par l'agence officielle nord-coréenne et on a pu avoir certains déroulés les plus explicites d'un long discours sur la stratégie nord-coréenne vis-à-vis des États-Unis où le leader nord-coréen a appelé en particulier à réagir de façon très vive face à une situation qui évolue rapidement et à concentrer ses efforts sur, je cite, une prise de contrôle stable de la péninsule. Alors, de son côté, l'administration Biden n'avait pas totalement fermé la porte puisque le président n'avait pas exclu une rencontre avec Kim Jong-un, mais avait quand même pris le soin de souligner qu'il ne le ferait pas sans engagement très clair de la part de ce dernier, et ainsi qu'il a été rappelé par Monsieur le représentant No, les relations entre les deux Corées, à l'image des relations entre la Corée du Nord et les États-Unis, sont à l'arrêt depuis de longs mois, et Pyongyang avait bien clairement fait entendre qu'il n'était pas intéressé par des discussions avec Séoul. Et en avril, il avait d'ailleurs déclaré qu'il ne souhaitait pas participer aux Jeux olympiques de Tokyo en mettant en avant des risques liés à la persistance de la pandémie. Évidemment, ce signal a été interprété évidemment comme un repli de la Corée du Nord et remis en mémoire un contexte qui était beaucoup plus favorable. On se souvient qu'en fait,
C'était l'acceptation d'une participation aux Jeux d'hiver de Pyeongchang en 2018, où la sœur de Kim Jong-un avait accepté l'invitation donc du président Moon Jae-woon, que s'était mis en place progressivement ce processus de dialogue qui avait débouché sur cette rencontre qu'on qualifie finalement toujours d'historique à Singapour entre le président américain et le leader nord-coréen. Donc finalement, Séoul a pu voir quelque part ses espoirs de voir les Jeux olympiques de 2020 pouvoir être le véhicule d'une reprise du dialogue. On pouvait à ce moment-là, voyant une porte s'ouvrir mais quelque part se refermer, s'interroger sur la situation intérieure du pays. Et effectivement, Kim Jong-un lui-même n'a pas caché la situation de pénurie alimentaire et les difficultés, très franchement, dans laquelle se trouve le pays, en mettant en avant, et c'est vrai, tout un ensemble de cycles de catastrophes naturelles qui n'a pas permis pour cette année de rentrée de céréales ces conditions climatiques, s'ajoutant à la fermeture des frontières qui a empêché tout approvisionnement en provenance de la Chine, explique finalement que, sans oublier le renforcement des sanctions, mais la Corée du Nord se trouve quand même dans une situation de vulnérabilité extrême. On se dit que finalement, qu'elle le veuille ou non, il y a quand même un contexte intérieur qui devrait, en toute logique, pousser Pyongyang à saisir la première opportunité ou la première ouverture venant des États-Unis ou de la Corée du Sud pour reprendre ce dialogue interrompu, sachant encore une fois qu'il est difficile de se prononcer sur la situation interne du pays et le degré de vulnérabilité actuelle de Pyongyang, dans la mesure où effectivement même les travailleurs humanitaires internationaux ont dû quitter le pays à la suite de ces mesures de fermeture pour éviter la propagation du virus, et que même la plupart des ambassades qui sont un canal d'observation intéressant le reste du temps, eh bien, avaient fermé. Alors, à ce stade, en fin de compte, les déclarations de Kim Jong-un, évidemment, suscitent des interrogations, d'autant plus que, au fond, l'administration américaine s'en est saisie d'emblée ont pris prétexte de ce discours donc du mois de juin pour déclarer, par la bouche du représentant spécial Sun Kim, dont vous savez qu'il est actuellement à Séoul, en discussion précisément avec M. No, a déclaré que les États-Unis étaient prêts à reprendre sans condition préalable, je pense que c'est important, n'importe où et n'importe quand, un dialogue avec la Corée du Nord, ce qui est faire preuve d'un relatif pragmatisme, un pragmatisme qui paraît assez inattendu de la part de la présidence Biden, dans la mesure où finalement les quelques déclarations que le président avait pu faire n'étaient pas très, très, très précises. Il y a eu effectivement une révision de la politique nord-coréenne des États-Unis ces derniers mois, mais qui s'était traduite par une annonce fin avril qui n'était pas très, très précise, si ce n'est qu'on avait compris que le président Biden refusait la recherche à tout prix d'un accord et d'une rencontre à tout prix, et donc la reprise de ces grands sommets comme les affectionnait son prédécesseur Donald Trump, mais qu'il semblait aussi mettre de côté la patience stratégique qui a été la marque de la présidence Obama pour se tenir dans un entre-deux avec, au fond, une reprise potentielle des négociations, où effectivement des résultats tangibles étaient escomptés,
Le conseiller spécial pour l'Indo-Pacifique américain, Kirk Campbell, avait donné une indication complémentaire en évoquant un retour au contenu de la déclaration de Singapour comme une base éventuelle de reprise de négociations entre les deux pays. Et brièvement, cette déclaration de Singapour finalement avait été assez vague, on s'en souvient, mais avait permis d'entrevoir finalement une reprise, en tout cas une mise en place d'une relance, d'une dynamique d'échange entre les deux pays. Il avait été question, on s'en souvient, d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, non pas de la Corée du Nord, mais de la péninsule coréenne. Et cet élément et cette approche assez vague et assez globale avait suscité bien des interrogations sur, au fond, l'engagement qu'étaient prêts à consentir les États-Unis en matière de stationnement potentiel de forces nucléaires sur la péninsule, quant à, au stationnement effectivement de ces troupes militaires, car ce terme laissait entrevoir un processus global et non pas bilatéral qui mettait en perspective la péninsule, donc globalement, c'est-à-dire le dispositif américain en Asie du Nord, ce qui n'avait pas manqué certainement d'intéresser fortement la Chine. Cependant, on se souvient que cet accord avait soulevé des interrogations quant aux contreparties, quant à ce que voulait dire le retour à l'adage fondamental du mantra de la politique américaine, c'est-à-dire la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible quand même de la Corée du Nord, et au processus de vérification que pouvait accepter la Corée du Nord. Pour terminer et laisser la parole aux autres intervenants, à l'instant T, effectivement, on peut s'interroger sur les garanties de sécurité que l'administration Biden serait prête à accorder à la Corée du Nord et qui est en fait l'élément qui n'a pas incité les discussions, n'a pas permis en tout cas au second sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis, donc à Hanoï en février 2019, d'aboutir à la signature d'un quelconque accord. Puisqu'au fond, chacun s'est quitté assez mécontent de l'autre, dont la Corée du Nord qui espérait une levée partielle d'un certain nombre de sanctions qu'elle avait d'ailleurs énumérées de la part des États-Unis. L'idée dans quelques cercles américains serait une approche qui tiendrait davantage de la maîtrise des armements, c'est-à-dire une approche graduelle qui viserait peut-être à demander un certain gel ou une limite des capacités nucléaires de la Corée du Nord. Donc un processus qui serait assez novateur, mais que nous connaissons bien vu d'Europe, puisque ce processus a été mis en place avec l'Union soviétique pour parvenir à stabiliser l'Union européenne. Peut-être que effectivement réfléchir plus sérieusement qui amènerait à construire un dialogue confiant entre la Corée du Nord et les États-Unis, auquel sera associée apparemment l'administration américaine, tient beaucoup la Corée du Sud, mais aussi le Japon, pourrait constituer des éléments positifs, même si on a en tête qu'un processus de maîtrise des armements, dont on a vu combien il était compliqué et long en mettre en place entre l'Union soviétique et les États-Unis, sera d'autant plus long et compliqué, évidemment, avec la Corée du Nord. Je m'arrête là. Oui, merci. Merci, merci Marianne de nous avoir présenté un petit peu le paysage dans lequel s'ouvre cette nouvelle ère, on va dire, de négociations dans la région sur la péninsule coréenne. Je vais tout de suite passer la parole à Kim Yoon-wook, qui est professeur à la Korean National Diplomatic Academy, et dont les recherches portent notamment sur
les relations entre la Corée du Sud, les États-Unis, la Corée du Sud et la Corée du Nord et les États-Unis et de manière générale la politique des États-Unis dans la région. Je pense que la question effectivement de la relation Corée du Sud-États-Unis est quand même une question justement importante pour voir à tout moment s'il y a j'ai envie de dire, une conjonction à la fois des intérêts et une conjonction surtout de la politique à mettre en œuvre. Et j'ai noté également tout à l'heure quand même dans l'intervention liminaire de M. No, la question de la nécessité également d'impliquer également les autres acteurs de la région et notamment la Chine et la Russie. Donc je vous donne tout de suite la parole pour nous faire part de votre analyse, de l'analyse que vous portez sur la situation actuelle et sur les perspectives qui peuvent s'ouvrir dans la négociation sur la péninsule coréenne. Thank you very much. Thank you for inviting me to this very timely and invaluable Zoom seminar. As has been presented by Special Representative No and also Dr. Perwan Dwas many times about some basic things about North Korea, I'll just make a brief presentation rather than just describing what's going on and what is the policy outcome and things like that. First, let me talk about what is the characteristics of Biden's North Korea policy. It's called as a calibrated practical approach. Calibrated means that Biden's United States will calibrate many things with its allies and also calibrate many things with North Korea, which means that it is ready to be flexible in its policies. Practical means that the United States-North Korea policy is in a dilemma. Its official policy towards North Korea is that it is not accepting North Korea as another nuclear state, but the reality is that North Korea is already possessing, nuclear weapons. So that dilemma is making Biden a lot of headache. Took some time to review its North Korea policies, something different from Obama and Trump. Trump's North Korea policy was out of reality. Special Security Advisor Bolton asked everything from North Korea, which was not easily acceptable by North Korea. Obama's North Korea policy, even though Obama tried to open a dialogue with North Korea in his second term, again, after many failures in his first term. Still, the failure is because of North Korea's domestic situations. Kim Jong-un at the time was in the middle of inheriting his power from his father. So I don't think it was right time for him to open a dialogue with the United States. Domestic situation was much more important at the time. Now, Biden is, trying to go to the middle road, which means that he's trying to pursue a phased approach, a small deal with North Korea, freeze and rollback. Freeze means that, freeze, first phase freeze, and second phase means to roll back denuclearization. So I think this is something that he chose a more realistic, policy path towards North Korea. Second thing I want to say about the Biden North Korea policy is that we are not sure how hardline he is towards North Korea because in the summit meeting with the Republic of Korea, Biden mentioned complete denuclearization. He stressed diplomacy. He stressed dialogue. But in many other arenas, like U.S.-Japan summit meetings,
G7 meetings, NATO meetings. He set the CVID, complete verifiable irreversible denuclearization, which from North Korea's perspective, not easily acceptable because North Korea thinks that this is the term used against a defeated country, something that North Korea is very angry about. And another issue I think is something related to the JCPOA model. Important things are that it focused on a long-term working level talk with Iran. Sanctions were the major incentive to be given to Iran, and verification was very important to check out whether Iran was pursuing its duties of reducing uranium enrichment program. So are these things something that can be applied to North Korea? Or if it's applied, would North Korea be easily accept all these things? These are the questions I have. Let me turn to the US allocate summit outcome, but I'll just skip this because Dr. Perron was mentioned this so many times. So lastly, then what to do next? Now North Korea has also a dilemma. Kim Jong-un has a dilemma. He had a lot of eager when he became a leader of North Korea to develop his countries. You know, he wanted to change North Korea, economic reform and open policies he wanted to pursue in North Korea. He had some memories about his education in Switzerland, but the important dilemma he had was that one side he wanted to open this North Korea, change North Korea, economically reform North Korea, but on the other hand, he needed to consolidate his power. So if the country is reformed, if country is opened, if country is marketized, this would be very negative towards his power solidarity. When Trump became the president of the United States and had a summit meeting with North Korea, maybe Kim Jong-un thought that this was a very good opportunity for him to open up his countries, open up the economic, the marketized North Korea, reform economically, make himself a leader of a normal country. He had such a desire, I think. But after the failure at Hanoi meeting, his policy came back to a traditional policies, very hardline, focusing on domestic mobilization, focusing on his power solidarity. And the Hanoi shock was something that made him to choose these things, trying to focus on domestic economic self-sustaining. And also the COVID issues, natural disaster issues, in addition to global sanctions on North Korea, made North Korean economic situation much worse. So current situation is very complex for Kim Jong-un to open up and to go back to his first attempt to change his country. With President Trump, with the dialogue with President Trump. So maybe he is trying to stabilize the Korean Peninsula situation because of his economic, North Korea's economic situation is dire. Kim Jong-un would have to think hard and I think he is unwilling to make a military provocation which crosses the red line. Maybe some low intensity provocation is possible.
First, I think he has to take care of domestic situations. Now inside North Korea, because of marketization, people get more and more information and complain about the economic hardship. And also elites dissatisfied because of Kim Jong-un's horror politics. In January, there was party rules changes in which first secretary position was newly created. Kim Jong-un wants to bolster and strengthen the Workers' Party control and grip over its people by creating one more important positions. And also I think Kim Jong-un have to bolster the North Korea-China relationships. North Korea's one basic perspective about the global situation is that now US-China rivalry and competition is becoming more severe. North Korea definitely is on the side of China, but as has been a traditional, diplomacy, any country's diplomacy between strong powers, Kim Jong-un definitely wants to, do its diplomacy between US and China to maximize its interests. So based upon solid relationship between North and South, North Korea and China relationship, I think Kim Jong-un will try to talk with the United States to get something out of the United States. Short-term issue, important issue is August joint military exercise. Kim Jong-un has been asking to United States that Biden has to cancel its antagonistic policy towards North Korea before beginning of the working level talk. So I think August joint military exercise will be first test case for Kim Jong-un to see whether Biden is seriously and actively pursuing its dialogue with North Korea. Very recently, Kim Yo-jong mentioned that interpreting North Korea's response about Biden's North Korea policy positively is a wrong expectation. So I think North Korea is still waiting to see whether Biden is serious about North Korea. If for Biden, North Korea is priority or not. So we'll see how it goes. But for a short period of time, I think that there will be more tug of war between North Korea and the United States. Thank you. Très bien, merci, merci Kim, Monsieur Kim, pour cette présentation. Je pense que c'est très utile puisque c'est quand même très important d'avoir le ressenti de votre pays en fait sur la situation et notamment sur le jeu des États-Unis dans la période qui s'ouvre, sachant comme vous l'avez dit. La question de la relation avec la Chine pour les États-Unis est actuellement primordiale. Donc, il faut voir si effectivement la Corée devient un enjeu, mais un enjeu indirect sur la question de la Chine, ou si c'est toujours la question de la péninsule coréenne qui est importante. Tout de suite, je passe la parole au directeur de l'IRIS, Pascal Boniface. Merci Jean-Pierre et félicitations à Monsieur Kim et à Marianne Perrondois. C'était vraiment deux interventions très riches, très substantielles et qui ont vraiment suscité un très fort intérêt. Il y a beaucoup d'informations et de réflexions dans ce qui a été dit. En fait, la situation en Corée, on y est habitué, c'est-à-dire qu'elle est faite un peu de périodes de tension qui suivent des périodes de relâchement. Il ne faut être ni, disons que l'histoire nous montre qu'il ne faut pas être excessivement inquiet dans les périodes de tension, du moins dans les 30 dernières années, mais non plus qu'il ne faut pas être excessivement optimiste dans les périodes où ces tensions se relâchent.
Et finalement, la définition que Raymond Aron donnait de la guerre froide, guerre impossible, enfin paix impossible, guerre improbable, reste finalement valable, parce que, et d'ailleurs, on pouvait dire guerre impossible et guerre improbable aussi, enfin paix impossible et paix guerre impossible également du temps de la guerre froide, parce que finalement la dissuasion fonctionne et que effectivement même aux périodes où il y a le plus fort inquiétude, et je remonte à 2017, les analystes qui connaissaient un peu la situation savaient que malgré toutes ces provocations, Kim ne lancerait pas la guerre parce que ça serait simplement la fin de son régime et qu'il ne pourrait pas gagner cette guerre. Et donc, mais en même temps, on sait également que, et avec les effets de la guerre d'Irak de 2003 et de l'intervention occidentale en Libye en 2011, eh bien, parce que dans une période de globalisation, les conflits ont des répercussions, c'est que Kim Jong-un peut être aussi persuadé que si Saddam Hussein et Kadhafi avaient eu l'arme nucléaire, ils n'auraient pas été renversés, et que c'est, vu qu'il a échoué sur tout le reste, sur la situation sociale et économique de son pays, c'est que finalement, l'arme nucléaire n'est en rien un instrument de reconquête, mais en tout un instrument d'assurance-vie. Et j'ai cité Raymond Aron, je citerai Churchill. Churchill disait que l'Union soviétique était une énigme entourée d'un mystère. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Corée du Nord, c'est encore pire. C'est encore pire et il faut suivre vraiment les moindres aléas. Et Marianne l'a dit, il y a eu une période de tension, mais les périodes de tension et de radicalisation peuvent précéder une période d'ouverture. Kim Jong-un est coincé, effectivement. Ça, on voit aussi que le curseur des Jeux olympiques sont un signal important de savoir si les tensions se relâchent, comme la participation conjointe aux Jeux en Corée du Sud en 2018, ou là, le refus d'aller au Japon en 2021. Mais pour ce qui était… Et aussi, je rejoins ce qu'a dit M. Kim, c'est-à-dire que finalement Kim Jong-un est coincé entre la nécessité d'ouvrir, qui est incompatible, antagoniste avec la nécessité de l'impérieuse de conserver le régime, sauf qu'au fur et à mesure, il est de plus en plus difficile d'être un régime ermite coupé de tout, de différentes façons, même si c'est bien sûr, même si la Corée du Nord est certainement, avec peut-être l'Érythrée, le pays le plus coupé du reste du monde, mais néanmoins, elle n'est pas totalement coupée. Et en ce sens, la situation est tout à fait différente. Alors, il est important que la France et la Corée coopèrent sur ce sujet comme sur d'autres, parce que la France et la Corée ont diplomatiquement une approche quand même très souvent comparable. Nous avons une taille pas très éloignée l'un de l'autre, et je crois que nous avons surtout la Corée et la France, au-delà du système d'alliance auquel nous appartenons réciproquement et parfois conjointement, disons une option sur le multilatéralisme qui nous caractérise. Et lorsque l'on parle de l'alliance des multilatéralismes, eh bien effectivement, la France et la Corée sont du même côté, et ni Séoul ni Paris ne veulent être entraînés dans des alliances automatiques, celles que George Washington dénonçait en son temps, c'est-à-dire des alliances qui obligent, qui ne laissent pas de marge de manœuvre, qui font que les décisions sont prises en dehors de la décision de chaque allié. Et nous avons aussi bien pour la Corée en Asie, et d'ailleurs l'attitude par rapport au Quad est très significative, et la France, nous avons une attitude un peu conjointe de ne pas être entraînés subrepticement ou contre notre gré dans des décisions automatiques auxquelles nous n'avons pas participé au processus de décision et qui peuvent également heurter nos intérêts. Pour les interférences extérieures, eh bien, effectivement, je crois que dans l'affaire de la Corée du Nord, à mon avis, s'il y a un pays qui doit être pilote, c'est évidemment la Corée du Sud. D'autres pays sont intéressés à cela, mais ils peuvent avoir un agenda qui est différent. Et je crois que la Corée du Sud y est très attachée, et la France soutient cette démarche. Il ne faudrait pas que des agendas qui soient extérieurs à l'agenda coréen viennent finalement servir de priorité à la question coréenne.
Et pour certains acteurs extérieurs, la Chine, les États-Unis, la Russie, la Corée du Nord est une variable d'ajustement dans leur diplomatie, alors que pour la Corée du Sud, c'est effectivement un axe majeur, principal, vital par définition. Et donc, forcément, la perspective n'est pas la même, et donc il est important de ne pas déposséder la Corée du Sud de son leadership stratégique sur la question coréenne, parce que d'une part, c'est le pays qui connaît le mieux la situation, qui a les informations les plus fiables, le suivi le plus attentif, le vécu, et aussi une proximité culturelle qui fait mieux comprendre les choses. Mais surtout, c'est que pour la Corée du Sud, la Corée du Nord n'est pas une variable d'ajustement. C'est un objectif numéro un. Et c'est vrai que l'on peut se réjouir, se féliciter aussi bien en Asie qu'en Europe du changement de présidence aux États-Unis, du fait que Trump, qui pour le coup avait un agenda qui ne prenait en aucun compte les intérêts des alliés, et d'avoir un nouveau président qui est d'une part poli et correct, ce qui est déjà un changement significatif, qui a un comportement décent, ce qui est également un changement significatif, et qui n'insulte pas ses alliés, qui dit que l'Amérique est de retour et que l'alliance, qu'elle soit asiatique ou européenne, est importante. Mais et sur bien des points, retour sur le climat, sur l'accord sur le climat, arrêter de penser que l'OTAN est obsolète, etc., sur bien des points, donc nous pouvons nous en féliciter et nous en félicitons en commun à Séoul et à Paris. Mais là où il peut y avoir une difficulté, c'est, et on l'a vu au sommet de l'OTAN et du G7, et en Corée vous pouvez le vivre aussi, c'est que le seul point commun qu'il y a entre Trump et Biden, c'est de faire de la Chine le sujet numéro un de la diplomatie, de faire de la nécessité de contenir la montée en puissance de la Chine la priorité stratégique absolue. Trump voulait le faire seul et en malmenant ses alliés, Biden courtise ses alliés pour mieux y parvenir. Le but est le même, la stratégie est différente. Mais c'est là qu'il peut y avoir un problème, puisque comme ça a été dit au tout départ, on ne pourra pas régler la question coréenne sans une participation active de la Chine et de la Russie, et que ce ne sont pas les seuls pays, disons, occidentaux au sens large. Quand je dis occidentaux, ce n'est pas seulement les pays européens, Amérique, États-Unis, mais disons les pays de l'OCDE, les pays stratégiquement occidentaux, les pays du D10, etc. Ce ne sont pas que les alliés des États-Unis, en tous les cas, qui pourront régler la question coréenne. Et donc, il est nécessaire d'avoir une approche qui soit non seulement cohérente, qui soit ferme, bien sûr, ouverte et ferme, comme ça a été dit dans l'excellent propos introductif, mais qui soit surtout globale. Parce que si les États-Unis peuvent penser qu'ils vont s'occuper seuls ou avec leurs alliés de la question coréenne, eh bien forcément, il y aura des échappatoires pour Pyongyang, il y aura forcément, la Chine va essayer que ça ne réussisse pas si elle est exclue de la solution, et la Russie aussi. Donc, il est indispensable, par réalisme, d'emmener dans le bateau d'une solution coréenne la Russie et la Chine, parce que sinon, ça ne pourra pas fonctionner. C'est juste du réalisme. Et donc, il faut avoir le réalisme. Et Marianne a dit dans son propos, je crois que la perspective d'une dénucléarisation de la Corée du Nord n'est pas une perspective réaliste à court terme. Ce qu'il faut, c'est avoir un soft landing du régime nord-coréen, d'avoir effectivement des mesures d'arms control, des mesures de confiance qui, au fur et à mesure, si l'on dit qu'il faut un accord de dénucléarisation dans les 5 ans, on n'y parviendra pas. L'approche de Sunshine Policy, disons globalement, est un peu comme lorsque les Allemands de l'Ouest ont commencé l'Ostpolitik, ils ont été dénoncés par les Faucons comme cédant au communisme, cédant à l'Union soviétique, cédant au système est-allemand. Mais en fait, c'est bien le rapprochement qui a permis le relâchement des tensions et puis finalement la réunification allemande. Ce n'est pas la doctrine Hallstein qui a permis la réunification allemande, c'est bien l'ostpolitik et donc le changement par le rapprochement. Et cette option qui est suivie par la diplomatie coréenne ne me paraît la seule pertinente. Alors elle est exigeante, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de résultat spectaculaire, c'est une approche au long cours, mais on ne peut pas faire autrement et parce que c'est la seule qui puisse permettre d'avoir un résultat. Et donc, il faut effectivement que l'objectif de la communauté internationale
si elle existe, si on l'incarne, c'est bien effectivement d'aider la Corée du Sud à déterminer ses objectifs et à les suivre. Et une fois encore, on n'aura pas un apaisement des tensions si on donne le sentiment que, souvent, par erreur, les Occidentaux veulent imposer leur solution. Il ne pourra y avoir qu'une solution négociée, une solution négociée avec tous les protagonistes. On peut bien sûr avoir des relations compliquées avec d'autres protagonistes, mais ici comme ailleurs, on ne peut pas imposer une solution par la force, parce qu'elle est juste provisoire et elle est facteur de désagrément par la suite. Et surtout, il faut tenir compte de l'ensemble des acteurs. On ne choisit pas les gens avec qui on négocie. Les gens avec qui on négocie sont ceux qui existent, sont ceux qui ont une influence sur le dossier. Et donc, il faut prendre l'ensemble des pays qui ont une influence sur le dossier, quel que soit le sentiment que l'on puisse avoir, et surtout faire en sorte que la priorité soit l'apaisement des tensions dans la péninsule et non pas que la situation de la péninsule soit un argument dans un combat plus global et que soit donc quelque chose qui serve une diplomatie plus générale. Cela doit être la priorité parce que ça serait évidemment un succès très fort qu'on enclenche une dynamique positive et finalement la division de la Corée. Beaucoup de gens disaient que la division de l'Allemagne était éternelle. Elle ne l'était pas. Simplement, il faut profiter des circonstances politiques pour parvenir, permettre les chemins de la réunification, en sachant que dans ce domaine, il faut parler à tout le monde et que le court-termisme n'est pas une option. Merci, merci Pascal. Avant de passer la parole à l'ambassadeur, juste un mot pour rappeler que si vous voulez poser des questions, faites-le par écrit dans le chat et je reprendrai ces questions, je les retransmettrai ensuite aux différents orateurs. Bah, écoutez, maintenant je vais passer la parole à l'ambassadeur Yu Dae-jung. Bah, je voudrais tout d'abord le remercier de participer, le remercier de nous avoir fait conscience pour organiser cette conférence. Et j'ai envie de dire le remercier une troisième fois parce que je pense que le débat, les échanges qu'il y a eu sont extrêmement importants et intéressants et interviennent quand même à un moment très important de nouvelles phases des négociations sur la question de la péninsule coréenne. Donc, je pense que ça contribue véritablement à animer le débat stratégique en France, sachant que, comme le disait Pascal, la France, comme la Corée du Sud, nous sommes des acteurs un peu de même taille et je pense que nous ne regardons pas uniquement juste autour de nous, mais nous avons quand même une vision un peu plus large du monde. Monsieur Yu Dae-jung, the floor is yours. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tenais à exprimer ma sincère gratitude à Monsieur Noguta ainsi que tous les autres intervenants pour avoir apporté leur éclairage donc sur les défis à relever autour de la péninsule coréenne. Avant de dire quelques mots sur le travail conjoint de la Corée et de la France sur le dossier nucléaire dans la péninsule coréenne, il me semble tout d'abord utile d'évoquer donc les enjeux de ce dossier pour le gouvernement coréen ainsi que pour sa population. Lorsqu'on évoque la tension qui divise, qui déchire notre péninsule, beaucoup pensent d'abord au conflit autour de la dénucléarisation du Nord. Or, pour le peuple sud-coréen qui vit depuis plus de 70 ans dans un contexte de confrontation permanente avec, pour ainsi dire, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, le processus de paix et l'apaisement apparaissent à nos yeux comme des enjeux qu'il ne faudrait pas négliger pour autant. Notre gouvernement œuvre donc à la fois en faveur d'un processus de dénucléarisation complète de la péninsule, mais aussi également pour une paix durable. Ceci dit, comme mentionné plus tôt par M. No, il est donc primordial que la communauté internationale continue de répondre de manière ferme aux menaces que la Corée du Nord fait peser sur la sécurité globale, tout en tenant un discours d'ouverture et de dialogue avec la Corée du Nord. Nous avons là les deux conditions sine qua non
pour amener Pyongyang à la table des négociations. Dans ce contexte, la France dispose d'une marge de manœuvre. Son statut de puissance nucléaire et de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que sa position centrale au sein de l'Union européenne, d'autant plus que la France assumera la présidence de l'Union européenne pour le premier semestre 2022, et son appartenance au G7 lui confère un rôle considérable sur la question de non-prolifération des armes de destruction massive. À chaque nouvelle provocation par la Corée du Nord, que ce soit un nouvel essai nucléaire ou le lancement d'un missile balistique, le gouvernement français a d'ailleurs fait preuve d'une fermeté et d'un soutien constant à notre égard. En outre, son implication dans les grandes négociations comme celle sur le nucléaire iranien lui donne une légitimité et une expertise réelle permettant d'instaurer une relation de confiance avec la Corée du Nord, qui est nécessaire pour espérer des mesures concrètes en vue d'une dénucléarisation complète de son territoire. Enfin, le Bureau français de coopération et les ONG humanitaires françaises continuent d'être de vrais atouts sur le terrain et permettent à la France de consolider et de diversifier ses échanges avec la Corée du Nord, même si dernièrement la pandémie du COVID-19 les a obligés à quitter Pyongyang. Il est important de souligner que le gouvernement français a également toujours soutenu l'importance du dialogue intercoréen à plusieurs prises. Au plus haut niveau diplomatique, le président de la République française, Emmanuel Macron, a eu plusieurs occasions d'exprimer son appui au processus de paix dans la péninsule coréenne. Enfin, la France aussi a apporté à plusieurs prises aussi son soutien au dialogue engagé entre Pyongyang et Washington. Pour l'heure, les discussions sont axées sur la reprise du dialogue entre la Corée du Nord et les États-Unis. Toutefois, lorsque la dénucléarisation effective de la Corée du Nord sera amorcée et le processus de paix enclenché, la France et l'Union européenne auront une carte à jouer, principalement dans la supervision des processus de dénucléarisation et l'établissement d'une paix durable. La coopération franco-coréenne, déjà étroite, comme beaucoup ont déjà cité, devra alors plus que jamais se poursuivre et se renforcer. Je souhaite que cette conférence apporte à ses participants un meilleur aperçu des enjeux autour de la situation actuelle de la péninsule coréenne et du positionnement du gouvernement sud-coréen, ainsi qu'une meilleure compréhension sur le rôle important que la France peut jouer dans l'établissement de la paix dans la péninsule. Nous nous engageons à travailler aux côtés de l'IRIS pour permettre l'organisation de l'IRIS plus régulièrement donc organiser ce type d'événement et nous remercions donc les membres de l'IRIS pour leur contribution. Je vous remercie beaucoup. Merci pour ces mots, Monsieur l'ambassadeur, et merci pour votre présentation également de la situation. On va désormais donc passer à la séance des questions-réponses. J'ai pas mal de questions en fait justement sur le rôle des autres acteurs que Corée du Nord, Corée du Sud et États-Unis. J'ai notamment des questions pour dire quelle est la position de Poutine et de Xi Jinping sur la Corée du Nord. J'élargirai d'ailleurs à la question coréenne en général. J'ai aussi des questions sur le rôle que pourraient jouer la France et l'Europe sur cette question coréenne. Et j'ai envie de dire, j'ai une question un peu en miroir, qui est de dire quelle est la perception qu'ont les Coréens à l'heure actuelle face aux différentes initiatives européennes et françaises sur les stratégies indo-pacifiques de la France et de l'Union européenne. Comment c'est ressenti, comment c'est perçu à Séoul? Donc, je vous laisse la parole pour les réponses. Peut-être d'abord
nos intervenants coréens, parce que je pense que les questions s'adressent à eux en priorité, et puis parce qu'ils sont quand même, j'ai envie de dire, le centre de cette conférence. Thank you. First, about the France and Europe's role about the Korean Peninsula. I think Dr. Boniface talked about, and also Perron Duas talked about, sunshine policy, which is, West Germany's, East policy towards East Germany. I think this current Moon Jae-in government's basis of his policy towards North Korea is also, something like that. But I hope that we can mingle together North Koreans and South Koreans throughout the sunshine policies, but some hurdles are there. And that's why in South Korea, there is a debate about whether sunshine policy is the right policy or not. First one is that because of Korean War and North Korea possessing nuclear weapons, identity, Korean people sharing one identity is really weak right now. There is much antagonism between North and South Koreans. Lot of scholars now say that, okay, maybe we have to forget about unifications. Second reason maybe is that Kim Jong-un is very smart. He doesn't want to be second East German leader. He does not want to be second Libyan leader, He wants money coming into North Korea, but block all the information. That's very bad for South Korea. So I think, and maybe the reason why current South Korean government is targeting North Korean leader as a partner of our sunshine policy is because we know that, our policy targeting North Korean people is not easy. Many experts are saying that, okay, sunshine policy towards North Korean leader, why do you do that? That's not working. So maybe that's second reason. And third reason I would say is that North Korean people never experienced a democracy. German people did throughout Weimar Republic. So everybody is skeptical about North Korean people, if they are informed, if they are marketized, would they have initiative to change the North Korea? Very negative. So these are very grim pictures about the future of North Korea, but this is the reality. And still a lot of debates inside North Korea. Some hardline conservative scholars and experts say that we don't trust sunshine policy. There should be sanctions. We have to expect collapse of North Korea. But that also, I don't think, is the right answer. And it's not easy for us to find the right policy towards North Korea. So based upon this background, I think that European countries can have an important role to open the society of North Korea. When the US approaches North Korea, when South Korea approaches North Korea, they close the door, but Europeans are different. There are a lot of exchanges between European countries and North Korea on many issues, humanitarian issues, education issues, cultural issues. So I think the only door open for North Korea, outside of North Korea is, I think personally, is European countries. So I think that's what I expect the roles from the European countries, including France. South Korea's attitude towards Indo-Pacific,
We recently held a summit meeting with the United States, and major agreements were about strengthening the cooperation between US and South Korea about climate change issues, technologies like 5G, 6G, semiconductor, auto industry, auto batteries. A lot of companies in South Korea, like Samsung, LG, SK, they all agreed to build additional factories in the United States to produce system semiconductors, auto batteries, and things like that. And also there were important sentences in the statement about peace and stability in the Taiwan Strait. So I think President Biden is holding many meetings now with Quad countries, with Japan, with South Korea, with G7 countries. And I think that he is commonizing the agenda throughout all the meetings: vaccine, climate change, technologies, to form a global supply chain against China. And I think South Korea is jumping into it, I think. D'autres panélistes veulent répondre? Je prends Marianne. Oui, Jean-Pierre, oui, volontiers. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, associer le maximum de partenaires, à commencer par les partenaires régionaux, me paraît extrêmement important, parce qu'on a trop longtemps eu l'impression d'une bilatéralisation de la relation, avec un agenda américain assez exclusif et une volonté, au fond, de régler un problème en s'appuyant uniquement, je dirais, sur ses moyens et surtout avec son analyse de la situation. Et je pense que la Corée du Sud, d'ailleurs, on a souffert et qu'elle a eu peut-être des difficultés à faire admettre cette politique d'ouverture. On s'en souvient avec le président Kim Dae-jung quand il a commencé à parler de la Sunshine Policy. Et Pascal a effectivement opportunément rappelé qu'on ne manque pas d'exemples historiques vus d'Europe pour accompagner ce processus et que peut-être il faudrait faire preuve d'un peu d'imagination à ce sujet. Effectivement, remettre en mémoire des uns et des autres ce long mécanisme de réunification de l'Allemagne, dans évidemment un contexte qui était très, très, très différent. Mais je crois qu'il faut sortir un peu de cette espèce de focale américano-nord-coréenne, en associant l'ensemble des partenaires, et qu'il y a, vu d'Europe, un processus sans doute d'autonomisation politique. Jean-Pierre, tu l'as rappelé en évoquant M. Borrell et la boussole stratégique, avec une volonté, effectivement, d'être présente, de favoriser la mise en place d'un ordre multipolaire avec la règle de droit, rule-based order, ça veut dire quelque chose. Mais c'est vrai que régulièrement revient ce souci d'une dénucléarisation de la Corée du Nord. Mais là encore, je pense qu'on manque d'imagination et qu'effectivement, le problème, c'est de mettre tous nos efforts dans les étapes avant la dénucléarisation, parce que je crois qu'il faut comprendre, et peut-être que la présidence Biden l'a compris, que toujours poser ce préalable à une reprise de dialogue, c'est quelque chose qui constitue un obstacle, et la mentalité nord-coréenne, effectivement, bloque sur ce que elle comprend comme une tentative de regime change, et en tout cas, la non-prise en compte de son statut de puissance. Alors, bien sûr que la Russie et la Chine ont des intérêts qui leur sont propres, sont sensibles, évidemment,
à ce problème de nucléarisation de la Corée du Nord, puisque cela justifie le développement de la Missile Defense et d'un certain nombre d'initiatives que la Chine perçoit comme dirigées directement contre elle. Donc, elle a un intérêt et un agenda qui est très, très personnel dans la mise en œuvre de discussions, et c'est pour cela qu'on ne peut pas envisager de ne pas associer la Russie et la Chine à des discussions globales. Et je rappellerai finalement les Six Party Talks, les pourparlers à six qui avaient été mis en place dans les années 90 et qui voulaient, en fait, à travers un certain nombre de groupes de travail, et non pas uniquement sur la dénucléarisation, apporter une réponse concrète à ce qui pouvait être la problématique de la Corée du Nord dans sa recherche d'une arme nucléaire, non uniquement une garantie de sécurité, mais aussi son développement économique, l'accès à l'énergie, et peut-être que l'Europe pourrait faire preuve d'imagination. Penser effectivement à ce souci du développement économique de la Corée du Nord, qui n'est pas, je dirais, le fait d'un seul régime et d'une vision de modernisation du pays qu'entend développer Kim Jong-un, mais qui répond à des objectifs de développement des populations qui sont très souvent oubliés dans ces discours à très haut niveau, ces discours de grande politique. Parce que cette population qui vit sous le joug des sanctions, ben c'est la première à souffrir assez cruellement. Même l'aide humanitaire a été suspendue, et peut-être faudrait-il commencer à réfléchir par là pour créer un minimum d'interaction. Et je pense qu'effectivement, la Corée du Sud aurait là une carte à jouer pour, je dirais, injecter un peu de confiance et répondre en tout cas à des besoins extrêmement pressants. J'ajoute d'ailleurs que la Corée du Nord a fait un petit effort en ce sens, puisqu'elle s'est inscrite auprès des Nations Unies, auprès du programme COVAX, qui permet de livrer des vaccins à la population. Donc, elle est capable, dans certains cas, de faire preuve d'une espèce de plasticité. Et donc, je pense qu'on devrait sans doute insister sur cette dimension. Merci. Pascal, tu voulais ajouter un mot ? Oui, très rapidement, puisque Marianne vient de parler du système de défense antimissile, qui est quand même effectivement un point clé pour la Chine, comme pour la Russie en Europe d'ailleurs. Et effectivement, ce qui prouve, si besoin était, c'est que les Chinois n'ont pas le contrôle du régime nord-coréen et que la Corée du Nord prend des initiatives qui gênent la Chine, parce qu'elle n'a pas envie de voir ce système de défense antimissile justifié par le programme de missiles nord-coréen, mais qui en fait vise également la Chine, tout comme le programme iranien justifiait les déploiements de défense antimissile en Europe, alors que ça visait bien manifestement la Russie. Il faut quand même se rappeler que Madeleine Albright, dans ses mémoires, raconte qu'en 2000, on était à quelques centimètres de passer un accord, que malheureusement Bill Clinton n'a pas pu aller à Pyongyang comme elle en revenait, puisqu'elle était préoccupée par Camp David, le fait de trouver une paix historique entre Palestiniens et Israéliens, qu'ensuite George Bush, dans la transition, a dit on verra ça plus tard, et puis qu'il a fait l'axe du mal et que ceci s'est finalement embrayé de façon différente. Mais Madeleine Albright rappelait aussi que lorsqu'elle est revenue en disant un accord est possible, dans une partie du Pentagone, la réaction c'était mais c'est une catastrophe parce que ça va nous empêcher de déployer le système de défense antimissile. Donc c'est quand même le grand paradoxe, ce système fait pour protéger d'une menace, eh bien en fait quand vous dites que la menace pourrait ne plus exister, ceux qui mettent en place ce système sont eux-mêmes catastrophés. Merci Pascal. Je vais peut-être avoir le temps pour une petite série de questions, mais très rapide, hein, et je vais peut-être en prendre qu'une, sachant que dans les questions qui ont été posées, il y a déjà des réponses qui ont été données. Il y avait notamment des questions sur la réunification, et M. Kim y a fait référence, hein, en disant que la communauté stratégique coréenne était quand même très, très prudente sur le sujet. J'ai une question sur un acteur de la région dont on n'a pas parlé pour le moment, c'est le Japon. Donc, est-ce que le Japon peut avoir
un rôle dans les discussions actuelles et quel rôle peut-il jouer? Et ce sera donc la dernière question. Qui veut répondre? Alors, je ne sais pas si nos amis coréens veulent répondre ou Marianne sur la question. Très inquiet. Le Japon est par définition très, très inquiet quand il s'agit du dossier nord-coréen. Et le Japon craint d'être marginalisé. Et à un moment, c'est vrai que le Japon craignait une prise en compte des missiles balistiques à longue portée, c'est-à-dire une garantie de sécurité pour les États-Unis, mais dans les discussions, ces problèmes de sécurité à lui, c'est-à-dire les missiles balistiques de courte portée, n'étant pas pris en compte. Donc, je pense que le Japon se sent par définition assez marginalisé et peut-être que de meilleures relations entre la Corée du Sud et le Japon seraient quand même un élément à prendre en compte. Et je pense que l'administration Biden est très soucieuse d'un dialogue, je dirais, trilatéral, qui permettrait d'ailleurs à l'alliance américano-sud-coréenne, mais aussi américano-japonaise, de sortir, je dirais, renforcée, et en tout cas permettrait à chacun de voir ses préoccupations de sécurité prises en compte. Merci. Une autre réponse éventuellement sur le sujet. Yes, let me talk briefly. Historically, Japan was under the U.S. security umbrella during the Cold War period. The problem is after the Cold War ended. After Cold War ended, we know that, you know, Japanese army is not normal. They are self-defense force. They could not send their military to the Gulf War when a lot of European countries sent their military. After war's over, international community criticized Japan because they are only sending money while all the European young people are dying at the war. So that was first a shock to Japanese people. And after that, they began to change their security policies to be more active in their security defense policies, trying to make the US-Japan alliance more equal. I think after that, from the time around mid-1990s, Japanese government tried to revise their constitution, trying to be normal, which was not easy. So they began to revise law enactment, you know, very small law enactment, on and on, revise on and on. Now they have, came up with the concept of collective security, which means that when the US forces outside somewhere in the world is fighting, you know, Japan under the concept of collective security can fight a war with the United States. So this is the center of Japanese security policy after the end of Cold War. They want to be normal. They want to revise their constitutions. In order for that, there should be clear threat outside, threat of North Korea, threat of China, and they're very hardline towards North Korea anytime. So this is something that current Moon Jae-in government's North Korea policies and Japanese North Korea policies are a little bit different. Thing is that, you know, the Biden government wants to, you know, bring the allies together to deal with many, many foreign affairs issues, you know, like including US, Japan, Korea, trilateralism. But because of historical issues, which was not very well managed by President Trump. Now Japan-South Korea relationship is really bad, historically very bad. Maybe we can cooperate on many other issues like North Korea issues, China issues, and global economical issues, things like that. But, Japan-Korea historical issues are making the relationship really bad. And now Japan thinks that
South Korea is not an important asset strategically to Japan. It's more like a burden. And, you know, we also have to, you know I'm sorry, I'm talking too much about Japan. You know, Japanese government is also at the same time worrying about its security under the current constitutions when US is over, when China is rising. So that's their important concern now. And the reason why Japan is strengthening the relationship with a lot of European countries, including England, is to take care of their security concern throughout the multilateralism. Thank you. Merci. Mais écoutez, il va être temps de conclure cette conférence. Je retiens à la fin le fait que l'Europe pourrait jouer un rôle de soft power dans la région, ce qui est très, 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 très intéressant. Je ne sais pas si Pascal ou l'ambassadeur veut dire un mot. Non, monsieur l'ambassadeur. Non. Oui. Encore une fois, merci beaucoup pour avoir organisé cette conférence qui est très, très opportun en vue donc la situation autour de la péninsule coréenne. Juste un mot donc pour la relation la Corée le Japon, c'est très sensible pour moi de mentionner en tant qu'ambassadeur, mais quand même en relation avec l'Europe, l'Union européenne et la France, je crois que la Corée et la France, et la Corée et l'Union européenne partagent une situation assez similaire parce que nous tout en partageant toutes les valeurs fondamentales, la démocratie, l'économie de marché, l'innovation avec les États-Unis. Notre géographie nous dit que nous devons trouver donc, un modus vivendi qui peut marcher donc, dans une situation encerclée par la Chine, la Russie, le Japon, etc. Donc, c'est une géopolitique très, très difficile à surmonter. Si j'ose dire, donc pour la France aussi, de plus en plus, la France et l'Union européenne se sentent, on peut enfermer ou sentir, on peut encercler par la rivalité sino-américaine. Comme ça, la France et la Corée se partagent un défi géopolitique à relever, d'autant plus que l'Union européenne et la France voudraient s'engager plus fermement dans la région Indo-Pacifique. Comme ça, on peut partager, on se sent de la même manière. Mais la relation avec le Japon, nous partageons tout à fait donc les mêmes valeurs avec le Japon. C'est un voisin très proche, mais avec une histoire très compliquée depuis longtemps. La géographie ne change pas, ne change jamais. Mais je pense que en se basant sur les mêmes valeurs avec le Japon, on peut surmonter donc les quelques difficultés qui perdurent en ce moment. Vis-à-vis de la Corée du Nord, je pense qu'on a beaucoup à partager, à consulter avec le Japon. C'est pour cela d'ailleurs. Donc, M. Sung Kim, représentant spécial pour la Corée du Nord des États-Unis, est en ce moment en Corée, et puis on va faire une consultation trilatérale. Donc, comme ça, on peut coopérer davantage avec le Japon, ainsi que l'Union européenne, et à travers l'Union européenne, la France. Merci beaucoup. Bien, écoutez, merci, Monsieur l'ambassadeur, et merci pour nous avoir permis d'organiser cette conférence en espérant effectivement, comme vous l'avez dit au début, que peut-être la prochaine fois on puisse le faire dans un cadre présentiel et continuer effectivement ce dialogue sur la situation stratégique en Corée. Et je pense que tous les participants, en tout cas je l'espère, auront été contents et satisfaits de ces échanges. Donc, écoutez, merci à tous et puis bonne journée. Voilà, au revoir.